il reste à l'Union européenne de trouver sa place dans cette nouvelle architecture sécurité. C'est loin d'être évident parce que sur les questions militaires, c'est l'OTAN. Sur les questions de médiation et de négociation, ce sera plutôt l'OSCE. Et il faudra que l'Union puisse trouver un siège à la table des négociations. Ce ne sera pas facile. L'Union européenne, ce n'est pas simplement la somme des États. C'est la somme des États plus quelque chose. Et c'est quelque chose qu'on cherche à créer actuellement avec une souveraineté européenne qui ne se définit pas comme la souveraineté nationale, mais qui est cette capacité à permettre l'amalgame des différents actifs économiques, militaires et financiers des pays. L'autonomie stratégique, s'il fallait le définir, ça veut dire agir collectivement chaque fois que c'est possible et de façon autonome chaque fois que c'est nécessaire. Et l'Europe a mis un certain nombre d'outils en place pour créer cela. Qui sommes-nous ? Et là-dessus, je pense que c'est très important que l'Union européenne reconnaisse son ADN et sache sur quelle colonne vertébrale, sur quel système unitaire elle veut s'appuyer. C'est le multilatéralisme. Parce que le multilatéralisme, c'est non seulement le respect de la souveraineté territoriale, de la règle de droit, des droits humains, de la séparation des pouvoirs, mais c'est aussi, et je dirais surtout en ce moment, le refus de la logique des blocs. Et pour ça, il est très important qu'on sorte de notre naïveté multilatérale et qu'on développe un multilatéralisme plus efficace. Bonjour à tous et merci Pierre de cet accueil chaleureux. Alors j'avais envie de vous parler un sujet qu'on a un peu déterminé avec Pierre ensemble, de l'Europe et de l'Europe dans un monde qui change. Effectivement, le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que le monde se dérègle dans tous les domaines. Non seulement le domaine politique, économique et sociétal, mais en réalité, plus qu'un dérèglement, le sentiment que l'on a, c'est qu'on fait face à des incertitudes grandissantes où le pire et le meilleur sont encore possibles. Alors, j'insiste un peu sur le pire et le meilleur parce que il ne s'agit pas d'une vision apocalyptique, enfin de présenter une vision apocalyptique qui est un peu la tendance aujourd'hui. Morose, c'est aussi la possibilité d'ouvrir vers une vision d'un nouveau monde et qui est en gestation et qui pourrait être aussi pour le meilleur. Ce qui est important de comprendre, c'est que les superpuissances, la Chine, les États-Unis, la Russie, sont à la manœuvre. Et il est important pour l'Europe de se positionner pour exister et je dirais même pour survivre. La question qui va se poser et qu'on va essayer de voir ensemble, c'est se positionner comment et où, dans quel intervalle, dans quel interstice. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter ce que moi j'appelle les cinq incertitudes majeures pour l'Europe et les mouvements de fond qui accompagnent ces incertitudes. D'abord sur les issues possibles de la guerre, puis sur l'unité européenne, sur le caractère structurel ou non de la crise économique, sur l'équilibre entre grandes puissances, sur le positionnement du Global South, ce qu'on appelle le Sud. Hein. C'est pas un territoire homogène, le Sud, mais il est homogène dans sa vision des grands enjeux. Et puis, aussi, on verra, et c'était l'idée du chaos ou de la rédemption, et du pire comme le meilleur. Et ce vaste tour d'horizon, parce qu'il s'agit d'un vaste tour d'horizon, il est dans le seul but de savoir ce que cela veut dire pour l'Europe, et surtout ce qu'elle peut faire. Voilà. Alors, la première incertitude est sur les issues possibles de la guerre. Et il ne vous aura pas échappé que le scénario le moins crédible en février dernier, la victoire de l'Ukraine, n'est plus impossible. Et en février, dans toutes les hypothèses de planification qu'on a pu faire, tant en France qu'à l'Union européenne, la Russie ne pouvait pas perdre.
Je me souviens qu'on établissait des grands tableaux sur des écrans blancs comme ça, et sur les 5 scénarios possibles qu'on avait imaginés, aucun d'entre eux ne contenait dans les 3 premiers scénarios la possibilité pour la Russie de perdre. Et je crois qu'aujourd'hui, comme le dit le haut représentant de l'Union européenne, comme vous savez, c'est un peu le ministre des Affaires étrangères européen. Si l'Ukraine n'a pas gagné la guerre, la Russie l'a, elle, en quelque sorte, déjà perdue. Et je crois que c'est assez juste. Cela dit, il demeure une incertitude majeure. Je pense que le président Poutine n'est pas aujourd'hui en capacité d'accepter une défaite. Et c'est un risque non négligeable pour l'Europe, comme on le voit. On le voit avec le risque d'une escalade incontrôlable sur son territoire, sur notre territoire. C'est à la fois les risques que peuvent comprendre une mobilisation partielle, qui en fait n'est pas partielle. On ne sait pas, on pense entre 150 000 et 300 000 hommes, ce n'est pas clair. Le risque d'une menace nucléaire, probablement plutôt tactique, on y reviendra. Le sabotage de Nord Stream en Baltique, la multiplication des attaques sur les civils et sur les infrastructures critiques qui se multiplient. Et on voit bien ici que le risque d'escalade est vraiment un risque non négligeable, même si en ce moment, avec l'arrivée de l'hiver, on est dans un scénario que nous, on qualifie d'attrition, c'est-à-dire qu'il y a une certaine pause qui s'établit entre les belligérants, pause qui n'est pas tout à fait figée, parce que l'Ukraine, tant au nord que autour de au sud, gagne du terrain. Et mais néanmoins, le facteur de l'hiver est important, parce que la boue immobilise les armes lourdes, et donc il y a là une certaine risque de conflit gelé pour un certain temps, puis la neige et le froid repermet les manœuvres. Et donc il faudra regarder comment évolue le temps dans la région pour savoir un petit peu quelles vont être les manœuvres possibles tant du côté de l'Ukraine que du côté de la Russie. Ce qui est important de voir, c'est que quelle que soit l'issue du conflit, se met en place aujourd'hui une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Elle est déjà en gestation, et on le voit avec une sorte de déplacement de la ligne de front de Berlin à Kiev. Et aussi, en plus de ces déplacements vers l'Est, il y a un nouveau rôle pour l'OTAN et l'Union européenne, en l'absence de la Russie. Parce que pour l'instant, dans les schémas qui sont les nôtres pour une nouvelle architecture de sécurité en Europe, nous n'incluons pas la Russie, pour des raisons qui sont évidentes. S'il y a une nouvelle architecture de sécurité en Europe, ça veut dire que les accords d'Helsinki ont vécu. Et ça veut dire aussi que les institutions se recentrent, les institutions militaires et économiques se recentrent sur leur mandat, j'allais dire, d'origine. On voit bien que l'OTAN s'est recentré sur la défense collective. On voit bien que l'Union européenne s'est reconcentrée également sur le soutien économique, financier, apporté à l'Ukraine, on reviendra dessus. La question se pose du rôle de l'OSCE. Et l'OSCE, c'est les accords d'Helsinki. Et évidemment, c'était déjà un organisme, une institution qui était bloquée dans son fonctionnement. Et il est évident que elle l'est d'autant plus aujourd'hui, elle le sera probablement demain. Et il va falloir trouver l'équilibre entre ces institutions. Et se pose la question de l'Union européenne, c'est-à-dire quel rôle peut jouer l'Union européenne en tant que telle
dans une nouvelle architecture de sécurité en Europe, avec une OCE plus bloquée que jamais, une OTAN plus vivante que jamais. Vous vous souvenez de la déclaration du président Macron sur la mort cérébrale de l'OTAN. Du chemin a été parcouru depuis, et il reste à l'Union européenne de trouver sa place dans cette nouvelle architecture de sécurité. C'est loin d'être évident parce que sur les questions militaires, c'est l'OTAN. Sur les questions de médiation et de négociation, ce sera plutôt l'OSCE. Et il faudra que l'Union puisse trouver un siège à la table des négociations. Ce ne sera pas facile parce que si on en reste à la vision militaire d'une architecture de sécurité en Europe, l'Union européenne a peu sa place. Elle est encore, du point de vue militaire, dans son développement, avec des capacités qui existent, mais qui sont pas de la, qui lui permettent pas de pouvoir assurer une défense collective qui relève de l'OTAN. Par contre, si vous prenez une acception plus large du Conseil de sécurité, avec le cyber, avec le digital, avec la connectivité, avec les questions d'énergie, de transport, l'espace également. Dans ce cas-là, et c'est de plus en plus ce qu'on essaie de faire au sein de l'Union européenne, dans ce cas-là, il y a une place pour l'Union européenne dans une nouvelle architecture de sécurité. Et il lui appartiendra, et on essaye cela dès aujourd'hui, de négocier sa place à la table avec les États-Unis. Et ce n'est pas acquis. Il m'a toujours surpris, à titre personnel, que le fait de placer des armes conventionnelles ou des armes nucléaires sur le territoire européen soit réservé à la Russie et aux États-Unis, et que l'Europe en tant que telle, et l'Union européenne en particulier, n'ait pas voix au chapitre. D'un point de vue conceptuel, c'est quelque chose qui est surprenant. Comment on arrivera à changer cela? Eh bien, ce sera la capacité de l'Union européenne à montrer sa volonté de faire partir d'une nouvelle architecture de sécurité. Deuxième incertitude sur l'unité de l'Union européenne. Je pense que là, les occasions pour l'Union européenne ne sont pas nombreuses d'être fière d'elle-même, sauf peut-être à avoir porté la paix en Europe depuis 50 ans, mais les facteurs de paix sont multiples et l'Union européenne n'est pas la seule responsable de cela. Mais par contre, d'avoir montré une incroyable unité depuis février et cohérence dans son soutien à l'Ukraine et ses sanctions vis-à-vis de la Russie, c'est unique dans l'histoire de l'Union depuis ces dernières années. On est au 8e paquet de sanctions, à quasiment maintenant 3,5 milliards d'armement. Le chiffre de 19 milliards est déjà déplacé, c'est 23 milliards d'aides directes, soit pour l'humanitaire, soit pour le développement, soit pour les infrastructures à l'Ukraine. Et ça, ça fait donc 22 milliards, un peu plus en fait aujourd'hui. Ça, c'est de l'aide directe. L'Union européenne donne en plus 11 milliards aux États membres pour leur aide à l'Ukraine. Donc vous ajoutez 22 plus 11, ce n'est pas ridicule. On n'est pas loin de ce que peuvent faire les Américains, sauf en matière militaire. Je pense que les militaires sont plutôt sur quelque chose comme 23 ou 24 milliards sur l'armement. Alors, le président Poutine pensait que l'Union européenne n'oserait pas livrer l'armement, n'oserait pas se dégager de l'emprise énergétique, de son emprise énergétique. Et je pense qu'il est clair que nous avons osé. Ça, c'est indéniable. Je pense qu'on a vu déjà que l'unité européenne est une chose fragile. Et on voit à quel point elle est déjà éprouvée au sein de l'Union européenne. J'en donne ici l'exemple du couple franco-allemand qui est en grande difficulté. Là-dessus, je dirais deux choses. Par exemple, on m'a appris récemment qu'il n'y a que les Français qui parlent de couple franco-allemand. Je ne savais pas. Voilà, ça vous dit déjà pas mal de choses. La seconde chose, c'est qu'en fait, les Allemands sont en train de faire une nouvelle Ostpolitik. Hein, et c'est toujours quelque chose que tant l'Allemagne que l'Union européenne, ou la France, pardon, ont hésité à faire. Mais là, il y a un vrai découplage, en quelque sorte, qui est en train de se faire sur ce sujet
du soutien aux pays baltes et aux pays de l'Est, l'Allemagne voyant là une nouvelle destinée pour sa sécurité et pour la sécurité de ces pays à l'Est. Et la France se trouve à l'heure actuelle bien seule. Alors, j'allais dire, heureusement, il y a les différends avec les Américains qui nous rapprochent sur les sujets économiques pour l'instant, mais la tension est réelle au sein du couple franco-allemand. L'amitié entre le chancelier Scholz et le président Macron n'est pas réelle, et c'est un euphémisme. Et par conséquent, il y a un risque là, parce que quand le moteur franco-allemand, appelons le moteur plutôt que couple, ne fonctionne pas et il n'est pas dans la complémentarité comme il a souvent été jusqu'à présent, alors il y a sujet à inquiétude, et c'est le cas aujourd'hui. Et puis il y a effectivement là à nos portes, aux portes de cette école, l'hiver. Et aux portes de l'école, c'est rien par rapport à celle en Ukraine, hein, avec toutes les questions qui se posent sur les négociations autour du pétrole, du gaz et du charbon. Et on est en pleine négociation avec entre pays européens et avec des pays tiers sur comment trouver des accords qui permettraient, pour cet hiver, c'est pas tellement un problème, mais pour l'hiver prochain, de passer cette période difficile. Vous avez entendu parler, je ne reviendrai pas là-dessus, sur les mécanismes de blocage qui fonctionnent plus ou moins bien et sur les réticences des uns et des autres à les mettre en place à l'heure actuelle, les dépendances et les mix énergétiques étant différents d'un pays à un autre, c'est compliqué de se mettre d'accord sur l'alignement des politiques. Et enfin, sans unité européenne, comment résister aux grandes puissances ? Les grandes puissances, et ça vaut pour la Russie et la Chine, mais ça vaut aussi pour les États-Unis, aiment bien enfoncer un coin dans la cohérence européenne. Et cette unité est déjà fragile aujourd'hui, mais elle sera encore plus fragile s'agissant des étapes suivantes, c'est-à-dire celles qui concerneront la façon d'envisager l'avenir avec la Russie. Et je voudrais passer quelques minutes là-dessus. Il y a au sein de l'Union européenne trois écoles sur la façon dont les uns et les autres envisagent l'avenir avec la Russie. Je dirais qu'il y a l'école des réalistes, et c'est celle du président Macron, qui pense que le mieux est l'ennemi du bien et qu'il faut être prudent pour ne pas aller trop loin et ne pas encore plus risquer une escalade. Ça veut dire, à mi-mot, être prudent sur jusqu'où l'Ukraine peut aller. Et je pense qu'il pense à la Crimée. Est-ce que ce n'est pas le pont trop loin? Et donc cela souhaiterait que finalement, et ça ne vous a pas non plus échappé, que le président Macron cherche à garder une ligne de négociation depuis le début. Je pense à raison, parce que la diplomatie doit toujours, même pendant la guerre, avoir sa place. Il y a la ligne des optimistes. Ça, c'est plutôt les Verts en Allemagne et les pays de l'Est qui, eux, souhaiteraient le changement de régime, c'est-à-dire la Russie de Poutine. Et puis, il y a la ligne des révisionnistes. Et cela, c'est essentiellement la ligne des pays baltes et de la Pologne. C'est une ligne plus radicale qui souhaiterait la fragmentation, le démembrement de la Russie. Alors, aujourd'hui, c'est possible encore de maintenir la cohérence parce que nous sommes autour d'une logique de réduire nos dépendances, sanctionner, être cohérent face à l'OTAN, face à la Chine, face aux États-Unis, on y reviendra. Mais au moment de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec une Russie qui ne va pas disparaître et qui restera dans l'environnement proche, on va voir apparaître, selon moi, les tensions colossales entre des pays qui ont une vision très différente de l'avenir
et de la future architecture de sécurité en Europe. Les mêmes divisions se trouvent d'ailleurs aux États-Unis, les réalistes et les révisionnistes. Je ne m'étendrai pas là-dessus pour ne pas être trop dans le détail, mais cette fracture au sein des pays de l'Union européenne et des États-Unis sur que faire après avec la Russie, on la retrouve aussi entre le département d'État et le Pentagone aux États-Unis. Incertitude, troisième du nom, sur les caractéristiques de la crise économique. On a trois cycles qui se confirment, inflation, stagflation, récession. La question qui se pose pour nos économistes, ceux de l'Union européenne comme ceux du FMI et de la Banque mondiale, c'est est-ce qu'il s'agit d'une crise économique conjoncturelle ou d'une crise économique structurelle ? Ou, plus encore, une crise du capitalisme en tant que tel qu'il existe aujourd'hui ? Alors, on cite souvent Jacques Chirac sur la maison qui brûle, mais moi j'aimerais reprendre à mon compte cette expression pour dire que celle qui brûle, c'est pas seulement celle de l'environnement, mais c'est aussi celle de la solidarité. Et effectivement, nous regardons ailleurs. Il y a un vrai manque en Europe sur l'Europe sociale. Celle de la croissance inclusive, au-delà de la rentabilité financière, celle d'une mesure réelle de l'impact social et environnemental des profits. Je crois que là, on a la recette pour une tension croissante en Europe si on ne fait pas attention à une sorte de crise des gilets jaunes européens. Et derrière cela, il y a effectivement... Comment l'Europe peut-elle trouver sa place entre deux capitalismes de types différents, le capitalisme à l'américaine et puis le capitalisme d'État de la Chine, et quel sera son type de capitalisme à elle? J'espère qu'on pourra discuter de ce sujet un peu plus avant, peut-être dans les questions, parce que derrière, il y a l'idée du concept d'économie verte, hein, et vertueuse, et d'économie circulaire, sur lequel l'Europe a son mot à dire et veut placer ses objectifs pour les 20 et 30 prochaines années. Quatrième incertitude sur l'équilibre de pouvoir entre puissances. Alors, une alliance forte semble se dessiner entre Chine et Russie. Et cette alliance s'est confirmée récemment après le congrès en Russie, le 20e congrès. Et le premier risque, c'est effectivement que si l'Europe rejette la Russie devienne un continent eurasiatique. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Le rejet aujourd'hui de la Russie vis-à-vis de l'Europe, et aussi le rejet de l'Europe vis-à-vis de la Russie, hein, qui est une évidence, va faire dériver ce continent, le continent russe, vers un continent eurasiatique. La question qui se pose vraiment, et qu'on se pose nous au service diplomatique, c'est est-ce que l'alliance entre ces deux superpuissances est durable ? Alors, la Russie et la Chine ont effectivement les mêmes intérêts, on va y revenir, mais ont-elles les mêmes méthodes pour y parvenir ? Ça, c'est tout sauf sûr. Parce que ce que cherche la Russie, c'est à rendre le fonctionnement du modèle occidental à le détruire de l'extérieur, c'est-à-dire par les attaques cyber, par un narratif très toxique. Mais elle ne cherche pas à le détruire de l'intérieur. Donc c'est souvent par le militaire et par le paramilitaire qu'elle opère
pour tenter non seulement de déstabiliser mais de, et de fragmenter l'Europe, mais aussi finalement de rendre l'Europe inopérante. La Chine, ce n'est pas du tout cela. La Chine, elle opère dans le système. Et elle tient à le maintenir, ce système, parce qu'il lui profite. Et elle lui profite économiquement. Et c'est pour ça que l'Union européenne est très importante pour elle, parce qu'un débouché conséquent pour la Chine. Et donc il y aura quelque part, à un moment donné, et c'est déjà en train d'être perceptible, une limite à ce que la Chine peut accepter de son partenaire, de son partenariat avec la Russie, parce que l'un opère en dehors du système et l'autre veut maintenir le système. Il veut le réformer, mais il veut le maintenir. Il ne cherche pas à le détruire. Est-il dans notre intérêt, effectivement, d'antagoniser la Chine ? Et là, vous le savez peut-être, l'Union européenne et les États-Unis ont un même triptyque. C'est la Chine est à la fois un rival systémique, un concurrent et un partenaire. Et pour l'Europe, c'est important, même si le rival systémique a gagné en taille par rapport aux deux autres, partenaires et concurrents, c'est important que les trois termes demeurent. C'est moins le cas pour les États-Unis qui ont tendance, par différentes déclarations récentes et par leur revue stratégique qui vient de sortir, à considérer essentiellement la Chine pour l'instant comme un rival systémique. De la même façon, il est important aussi peut-être de ne pas rompre tout dialogue avec la Russie, malgré l'horreur et malgré sa dérive vers l'Asie. Et alors il y a des tempos, des agendas qui comptent. On vient d'avoir les mid-term. On aura les élections en Russie en 2024, les élections aux États-Unis en 2024 et le 20e congrès en novembre, qui laissent tous deviner des changements en profondeur sans qu'ils soient vraiment possibles, et c'est un travail de fond qu'on essaye de faire à l'Union européenne, d'établir dans quel sens ces changements en profondeur vont s'opérer. Je crois qu'il y a des bonnes nouvelles. Le fait que le Sénat n'ait pas basculé aux États-Unis vers les Républicains, c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Je crois que et pour le débat sur les valeurs démocratiques. Et il est évident que Joe Biden a bénéficié ici du débat auprès de la Cour suprême sur l'avortement et aussi du vote des femmes. Peut-être l'un et l'autre étant liés. Voilà, il reste à voir ce qu'il en sera pour l'avenir, mais ces élections en 2024, qu'elles soient en Russie ou qu'elles soient aux États-Unis, vont jouer un rôle très important dans l'équilibre des pouvoirs entre grandes puissances. Ce qui est certain, c'est que nous demeurons aux côtés de l'Ukraine. Et là, je cite, c'est une phrase encore de Joseph Borrell, « Si toutes les guerres finissent par un cessez-le-feu et une négociation, il est nécessaire que Kiev puisse aborder cette phase en position de force, d'où notre aide militaire conséquente. » Cette phrase est très importante parce qu'en fait, au sein de l'Union européenne aujourd'hui, il n'est pas facile de parler de négociation. Il n'est pas facile de parler de cessez-le-feu. Il y a bien des pays qui ne veulent pas en entendre parler. Je ne vais pas les citer, les pays baltes, la Pologne. Pour eux, ils sont dans une logique que j'appelais le révisionniste, c'est-à-dire jusqu'au boutiste. Cette logique s'explique. Elle s'explique culturellement, historiquement, elle s'explique par la souffrance et la violence exercée sur ces pays. Mais nous ne sommes pas tous sur la même ligne. Et moi, je partage avec mon équipe des points de vue très différents, où j'ai des Allemands, des Polonais, des pays baltes, et quand on essaie de faire des scénarios ensemble, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur la place que l'on veut réserver à la Russie déjà aujourd'hui et certainement demain. Et ce que fait ici Borrell, en quelque sorte, Joseph Borrell, c'est de la sémantique, c'est-à-dire il met en balance le cessez-le-feu avec la négociation avec la position de force.
il ne dit pas, comme peut-être le président Macron le dit plus clairement, il faut garder une ligne de négociation, car c'est très important, il faut vraiment donner négocier. Non, il dit que pour être fort à la table des négociations, il faut être fort dans la guerre. Ça lui permet de faire passer un certain nombre de messages et de pouvoir, parce que c'est son rôle, obtenir un consensus avec les 27 États membres sur comment procéder dans l'immédiat. On a vu plus tôt dans cette présentation que les choses vont se compliquer quand on va parler effectivement de s'asseoir autour de la table pour se mettre d'accord sur quel type de négociation on veut avoir pour les futures relations avec l'Ukraine, pardon, avec la Russie. Et puis, ce n'est pas seulement finalement au sujet de la guerre que l'on s'est impliqué dans ce conflit. On a assez vite compris que l'Ukraine était pour nous une façon de représenter à la fois nos valeurs et nos idéaux démocratiques occidentaux. Et alors même que l'on sait que les présidents Poutine et Xi Jinping préparent un monde post-occidental avec des valeurs différentes. Quand vous avez 1,5 milliard d'individus ou pas loin qui constituent vos citoyens, le prisme de la séparation des pouvoirs, le prisme des droits de l'homme ou celui du multilatéralisme ne sont pas les mêmes. Et il y a un véritable front qui aujourd'hui est clair entre la Russie et la Chine sur ce qu'ils appellent une Europe décadente, un Occident décadent. Incertitude sur le positionnement du Sud. Ça a probablement été le plus grand choc depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est de voir que finalement, alors qu'on pensait que les États du Sud nous soutiendraient, on n'a pas eu le soutien qu'on espérait. On a eu 40 pays qui ont refusé de se prononcer en faveur de la résolution condamnant la Russie. Et puis, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que ça fait 8 mois qu'on fait des efforts pour aller parler aux pays africains, aux pays d'Amérique du Sud, aux pays asiatiques, surtout africains, qu'on a aidé depuis 50 ans à rester à la surface de l'eau pour ne pas être des États entièrement faillis. On s'aperçoit que le lobby qu'on fait depuis, via nos ambassades, nos délégations, pour expliquer ce dont il s'agit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'une guerre européenne, d'une guerre des valeurs occidentales, mais d'une guerre des valeurs démocratiques qui les concernent. Les dernières résolutions qui ont eu lieu il y a 15 jours ont montré qu'on a gagné un pays après 8 mois de négociations et de tentatives d'expliquer pourquoi c'est important que pour une fois, ce soit nous qui soyons demandeurs d'un effort et que quand on leur demande un effort pour nous soutenir, ils le fassent. Je crois que c'est le Maroc qui finalement a accepté de nous soutenir. Un seul pays gagné en 8 mois, y compris avec le lobby fait par les Américains, et les Américains savent tordre les bras, vous le savez. Eh bien non, là, ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est vraiment aussi un vrai basculement qui se fait, on reviendra dessus plus tard. Alors, faut-il s'en étonner? Ils disent effectivement que ceci n'est pas leur guerre et qu'ils se préoccupent plus des conséquences que des causes. C'est aussi, à travers cette guerre en Ukraine, l'occasion de refaire ressortir auprès des Occidentaux un certain nombre de sujets clés qui sont au cœur de la relation, même s'ils ne sont pas toujours exprimés, tels que le racisme, les accusations de racisme, de colonialisme, d'esclavagisme, d'un monde de blancs. Et alors, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces accusations alors qu'on est concentré sur la guerre? Et je crois que l'erreur qu'on a faite pendant peut-être des années, c'est finalement de ne pas vraiment écouter et d'essayer de convertir à nos vues.
à nos valeurs, à nos intérêts. Et je crois que ce que la guerre nous apprend, et on le comprend avec nos ambassadeurs dans les différents pays, c'est que écouter ce qu'ils disent, ce que disent les pays du Sud, ce que nous disent les pays du Sud à propos de notre relation, même si ça ne touche pas directement la guerre en Ukraine, c'est l'occasion de faire un pas supplémentaire dans une réconciliation possible des points de vue. Donc ça, c'est très important, parce que si on nie l'existence de ces reproches parce qu'on les pense ou infondés ou mal placés au moment où on demande un effort, finalement, on n'arrive pas créer la dynamique positive qu'on voudrait avoir avec ces pays, bien au-delà d'ailleurs de la guerre en Ukraine, parce que ces pays sont pour nous des alliés à de multiples points de vue de sécurité, d'économie, finance ou culturelle. Alors, malgré tout ce qui nous sépare actuellement du Sud, il y a des points forts qui nous rapprochent, et qui nous rapprochent fondamentalement. C'est le multilatéralisme des Nations Unies, pour faire simple. Le Sud ne condamne pas le multilatéralisme, car il le sait, c'est pour lui le seul moyen de se faire entendre. Au-delà du Conseil de sécurité, les résolutions des Nations Unies, de l'Assemblée générale, permettent à chaque nation d'avoir une voix. Et ça compte. Ça compte de pouvoir dire ce que l'on souhaite dans une enceinte où votre voix est écoutée. Cela dit, ce qui est important pour nous maintenant, l'Union européenne, c'est de réformer ce multilatéralisme, de le rénover. On sait à quel point le Conseil de sécurité ne fonctionne pas par le principe des droits de veto. On sait aussi le peu de pouvoir de l'Assemblée générale, malgré le principe « une nation, une voix ». On sait aussi l'échec du développement tel que nous pratiquons depuis 50 ans. Et donc, il y a une urgence pour l'Union européenne de se pencher sur une réforme du multilatéralisme avec les États-Unis, avec la Chine dans une certaine mesure, même si la Chine a son propre agenda, et puis aussi de réformer l'efficacité, c'est non seulement la légitimité, mais aussi l'efficacité des Nations Unies. Par exemple, en faisant en sorte que les Nations Unies se penchent un peu plus sur les questions d'innovation et de technologie, et du digital, qu'elle a longtemps ignoré, et ignorer le digital aujourd'hui, c'est ignorer la moitié de ce que l'Union européenne considère comme les objectifs clés, et vous les connaissez, environnement, digitalisation, ce sont les deux objectifs clés. Il y a aussi un autre multilatéralisme qui fonctionne pas mal actuellement, qui est ce qu'on appelle le mini-latéralisme, c'est-à-dire l'utilisation d'enceintes comme le G7 et le G20 pour essayer de trouver, avec ce qu'on appelle les like-minded, c'est-à-dire ceux qui sont dans la même logique que nous, Australie, Japon, Corée du Sud, Inde dans une certaine mesure, de trouver une dynamique et une cohérence d'ensemble qui est plus opérationnelle, parce qu'elle se trouve dans un multilatéralisme ancré régionalement ou ancré dans des valeurs comme le G7 ou le G20. Alors, pour le pire et pour le meilleur, je crois que la nouvelle pour les Européens, enfin, s'il n'y avait qu'une chose à retenir de cette séance, c'est qu'en fait, pour les Occidentaux, le statu quo n'est plus vraiment possible. Et c'est un peu tous nos concepts qui sont sur la table. Alors, ce n'est pas la table des négociations, mais c'est sur la table des citoyens. Et je pense qu'il faut profiter de ce que vous êtes vous-même, des think tanks, de la presse, pour commencer à réfléchir à la profondeur des concepts que l'on utilise depuis une cinquantaine d'années, de démocratie, de souveraineté, de capitalisme, de multilatéralisme, pour voir à quel point ils sont encore adaptés dans leur acception actuelle. Et je pense, moi, que c'est une bonne nouvelle que le statu quo soit remis en cause d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que je pense que nos concepts et nos valeurs doivent s'adapter aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et ces défis, ils dépassent
la guerre en Ukraine, c'est celui de la multipolarité. Vous savez qu'on est aujourd'hui dans un monde multipolaire où il y a un certain nombre de puissances régionales, l'Iran, le Brésil, l'Inde, le Japon, qui souhaitent avoir leur propre zone d'influence. Et puis ce monde multipolaire, il est d'ailleurs, et c'est la complexité actuelle du monde, en parallèle d'un monde bipolaire qui est lui-même en gestation, c'est-à-dire la confrontation États-Unis-Chine. Et ce n'est pas facile de voir si on va basculer dans un monde uniquement bipolaire, une confrontation États-Unis-Chine, ou alors est-ce qu'on va avoir un monde multipolaire où il va y avoir de plus en plus de puissances régionales qui vont se désolidariser, mais prendre leur sphère d'influence propre. On le voit déjà dans la façon dont, par exemple, l'Arabie Saoudite a répondu récemment aux États-Unis, no thanks, hein, sur un certain nombre de sujets. On le voit aussi pour l'Inde, qui joue sur plusieurs tableaux. Il y a cette véritable multipolarité qui se crée en parallèle d'un monde qui est en train de, semble-t-il, aussi devenir bipolaire dans une certaine dimension. C'est la dimension de sécurité entre la Chine et la Russie. Les autres défis d'aujourd'hui, outre la multipolarité, c'est les flux migratoires toujours plus importants, le changement climatique et la digitalisation et l'intelligence artificielle qui gagnent tous les secteurs. Moi, c'est personnellement la digitalisation qui me fait le plus peur. J'écoutais France Info ou France Culture, je ne sais plus, dans la voiture en venant ici, et ils disaient que le numérique, non, le streaming, c'est 100 millions de tonnes par an, c'est-à-dire l'équivalent de ce que dépense, de ce que consomme un pays comme la Tchéquie en 100 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, outre le fait que c'est une sorte de dématérialisation de nos vies, il faut voir l'impact environnemental du streaming par lequel nous vivons, et j'allais dire presque nous respirons aujourd'hui. Et il va falloir très sérieusement se pencher sur le sujet pour faire la part des choses entre un monde réel et un monde virtuel. Alors, ce temps des incertitudes que j'ai tenté de vous décrire à grands traits et dans lequel l'Europe se trouve plongée directement, pour le pire et pour le meilleur, c'est aussi le temps des opportunités pour l'Europe. Opportunité d'être moins naïf, plus autonome, plus clair dans nos valeurs que nous défendons et plus efficace dans notre détermination à ne pas être le terrain de jeu des autres. Hein, le fameux level playing field des grandes puissances. L'Europe est assez douée, ça, pour se trouver à être entre le marteau et l'enclume. Alors, c'est ma conclusion, quelque sorte. Je crois que pour l'Europe, il y a trois temps. Il y a le temps de la naïveté qui doit être derrière nous. Hein? Il est temps pour l'Europe de sortir du brouillard de la paix. Car nous sommes en guerre économique, financière, commerciale, militaire, systémique. Et on n'a plus le monopole de la puissance. Je crois que c'est une citation d'Hubert Védrine. Et pourtant, c'est le moment où il faut être plus fort. Et c'est compliqué parce que les présidents Xi Jinping et Poutine pensent que les démocraties sont faibles. Et c'est d'autant plus compliqué qu'effectivement, en ce moment, il y a un sentiment de lassitude, de fatigue, pour citer le faux ami anglais. Et Joseph Borrell, le haut représentant, nous disait récemment, on ne peut pas se permettre d'être fatigué. Je pense que c'est vrai, ce serait pourtant le moment où on pourrait se dire à quoi bon, quand on voit l'ampleur des enjeux pour l'Europe, mais c'est aussi le moment de se mobiliser. La deuxième conclusion, c'est que si le temps de la naïveté doit être derrière nous, le temps de la souveraineté, de l'autonomie et de la responsabilité stratégique, lui, il est devant nous. Et il nous faut réduire rapidement nos vulnérabilités, nos dépendances dans tous les secteurs clés. Pas seulement le secteur militaire ou les secteurs critiques, comme l'espace, l'énergie, le digital, le transport ou la santé. Il faut arriver à avoir une vision plus globale de nos vulnérabilités. Ça a pris beaucoup de temps parce que quand on a demandé aux États membres, il y a 3 ans,
ça ne date pas de la guerre en Ukraine, de nous dire quelles étaient leurs vulnérabilités, leurs dépendances, ils ont fermé leurs portes en disant « c'est du secret, on ne peut pas vous dire ». À quel point on dépend du lithium, de l'argentum, du cobalt. C'est effectivement extrêmement sensible. Et pourtant, petit à petit, on est arrivé à créer la confiance pour établir des tableaux des 136 vulnérabilités, c'est ce que la commission a pu évaluer, sur des matériaux critiques. On y reviendra. C'est aussi le moment de développer une culture stratégique, une culture commune stratégique. Ça, c'est ce qui a lieu avec la stratégie globale de 2016. C'est aussi l'adoption de la boussole stratégique il y a un an maintenant. C'est aussi la guerre en Ukraine qui a été un catalyseur parmi d'autres pour l'alignement de nos politiques, de nos valeurs et de nos intérêts. C'est très important d'avoir un narratif comme la souveraineté ou l'autonomie. Parce que si vous n'avez pas de narratif pour un pays ou pour une institution telle que l'Union européenne, qui est une institution unique au monde, hein, puisqu'elle est intégrée, il n'y a pas de vision politique. Si vous n'avez pas de narratif, vous n'avez pas de vision politique. Si vous n'avez pas de vision politique, vous n'avez pas de futur. Que vous l'appeliez souveraineté européenne, souveraineté stratégique, autonomie stratégique, responsabilité stratégique, culture stratégique, peu importe, il vous faut un narratif. Et ce narratif, il est indispensable pour développer votre capacité à devenir un acteur géopolitique. Parce que l'Union européenne, ce n'est pas simplement la somme des États. C'est comme le contrat social. C'est la somme des États plus quelque chose. Et c'est cette quelque chose qu'on cherche à créer actuellement avec une souveraineté européenne qui ne se définit pas comme la souveraineté nationale, mais qui est cette capacité à permettre l'amalgame des différents actifs économiques, militaires et financiers des pays. Alors, l'autonomie stratégique, ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes dans un cas de forteresse Europe ou de protectionnisme. En réalité, l'autonomie stratégique, s'il fallait le définir, ça veut dire agir collectivement chaque fois que c'est possible et de façon autonome chaque fois que c'est nécessaire. Et l'Europe a mis un certain nombre d'outils en place pour créer cela. Des outils économiques sur le contrôle des investissements, sur le règlement sur la coercition, la coercition via le commerce, sur des politiques industrielles qui ont été développées sur les semi-conducteurs, sur les batteries, sur l'hydrogène, sur les terres rares, et qui sont actuellement développées avec, je crois, l'équivalent de pas loin de 70 milliards d'euros sur ces quatre secteurs, pour tenter de se désenclaver de nos dépendances. Ce sont aussi des outils militaires, même si l'OTAN reste le principal acteur de la défense collective, il est important que l'Union européenne puisse préserver la stabilité de son environnement proche, c'est-à-dire celui à l'est comme au sud, et par exemple être capable de mettre en place des forces de projection, comme c'est le cas auquel on est actuellement en train de réfléchir pour 5000 hommes. Projeté. On veut éviter la débâcle, vous en souviendrez peut-être, de Kaboul, où on avait dû évacuer non seulement nos ressortissants européens en Afghanistan par les Américains, mais en plus on avait dû évacuer nos propres soldats par les Américains. Donc ça, c'est quand même quelque chose auquel il faut remédier, et c'est l'objectif effectivement de la force de réaction rapide que l'Union européenne met en place autour de 5000 hommes pour être capable d'effectuer une stabilisation rapide ou une évacuation rapide. Et le troisième outil de coopération, c'est un outil de partenariat avec les continents clés. C'est le fameux Global Gateway qui fait 300 milliards d'euros et qui vise à créer notre propre collier de perles. Vous savez, on a appelé la route de la soie de la Chine qui vise à développer des points clés d'infrastructures routiers, digitales, d'énergie, d'équipements avec un certain nombre de pays autour de la Chine pour assurer la stabilité du continent. Eh bien, nous avons décidé de faire la même chose avec l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, et on vient de mettre 300 milliards d'euros en place pour cela. Et c'est important de comprendre que l'autonomie stratégique, ça n'est pas ni le protectionnisme, ni l'Europe forteresse, c'est même le contraire. C'est l'interdépendance, mais pas n'importe quelle interdépendance. C'est une interdépendance choisie et non subie. Et ça, c'est absolument essentiel pour comprendre ce que nous voulons effectuer. Et notamment le fait que, par exemple, les États-Unis
souhaitent actuellement nous mettre dans une certaine dépendance vis-à-vis d'eux à l'égard de produits qui soient soit énergétiques, soit digitaux. Et nous devons être capables de créer notre équilibre stratégique en étant à égale distance de nos partenaires, de façon à ne se trouver dans aucune dépendance et surtout de ne pas passer d'une dépendance à une autre, de la dépendance de la Russie, par exemple, en matière énergétique, à une dépendance des Américains dans des domaines énergétiques ou des domaines de matières rares ou des semi-conducteurs. Voilà, et maintenant, c'est le temps actuel. Après le temps passé de la naïveté et le temps futur de l'autonomie, c'est le temps de qui sommes-nous ? Et là-dessus, je pense que c'est très important que l'Union européenne reconnaisse son ADN et sache sur quelle colonne vertébrale, sur quel système immunitaire elle veut s'appuyer. Et dans mon esprit et dans l'esprit de ceux qui nous dirigent au sein des institutions, c'est le multilatéralisme. Parce que le multilatéralisme, c'est non seulement le respect de la souveraineté territoriale, de la règle de droit, des droits humains, de la séparation des pouvoirs, mais c'est aussi, et je dirais surtout en ce moment, le refus de la logique des blocs, du découplage, j'en parlais un instant, du découplage dans lequel les grandes puissances pourraient vouloir nous enfermer. Et les grandes puissances, je dirais de toutes les grandes puissances. Et pour ça, il est très important qu'on sorte de notre naïveté multilatérale et qu'on développe un multilatéralisme plus efficace. Parce que l'Union européenne cherche avant tout à ce que les valeurs qui sont les siennes perdurent dans le temps et ne se trouvent pas laminées par des superpuissances qui, en ce moment, s'allient, malgré tout ce qui les sépare, pour tenter de faire de l'Europe leur terrain de jeu, au lieu de considérer l'Union européenne comme elle-même un acteur à part entière. Ça suppose qu'on fasse un certain nombre de chemins sur la réforme du multilatéralisme tel qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire celui des Nations Unies, qu'on réforme également ceux qui sont en place à travers le G7 et le G20, qui sont trop élitistes dans un certain nombre de domaines. Ça veut aussi dire que les réformes multilatéralistes que les Chinois souhaitent mettre en place sur le développement, le fameux GDI, ou sur la sécurité, qui sont une façon de réformer les Nations Unies, mais d'après leur propre concept, il faut qu'on soit capable ici de ce que l'on appelle nous le pushing back, c'est-à-dire être capable de tenir tête dans les instances. Et ça, c'est pas évident. Et une façon, et je terminerai là-dessus, de tenir tête, c'est effectivement la proposition d'Emmanuel Macron qui est intéressante, de communauté politique européenne, hein, c'est-à-dire un nouveau type d'instance d'échange qui n'existe pas jusqu'à présent. C'est ni l'OTAN, c'est ni l'Union européenne, ni l'OSCE, c'est une instance où on peut débattre, il y a une communauté de valeurs, une communauté d'intérêts, on peut débattre ensemble d'un certain nombre de principes avec des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, mais qui sont européens ou qui souhaiteraient avoir une communauté de destin. Et j'aimerais terminer le tout par une citation que je trouve intéressante de Victor Hugo, qui dit « Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action et il faut l'engagement. » Et je crois qu'effectivement, certains disent que nos vies sont définies par la somme de nos choix. Mais je ne pense pas que ce soit nos choix qui distinguent qui nous sommes. C'est plutôt notre engagement pour eux. Et je crois que c'est une période qui est propice à l'engagement, quel qu'il soit. Il y a d'un côté la réflexion politique et de l'autre la capacité à s'engager sur des thèmes précis. Les thèmes ne manquent pas aujourd'hui et je pense que c'est le moment effectivement de prendre position et d'être dans l'action. Je vous remercie.